بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم في الله je suis votre frère Allah سبحانه وتعالى Jean-Jacques Pierre Joseph Yahya donc je suis quelqu'un qui a embrassé l'islam dans le début des années 90 donc j'ai étudié au préalable le christianisme, puis lors de ma conversion à l'islam, j'ai étudié l'islam, la langue arabe à l'Institut européen des sciences humaines, puis la sharia pendant 4 années, et puis je travaille actuellement donc, dans cet institut. Voilà, donc alhamdoulilah, j'ai ma mère qui est récemment rentrée dans l'islam, et j'ai un frère aussi qui est rentré dans l'islam, bifadlillah subhanahu wa ta'ala. Je veux dire, en tant que musulman, tout simplement, je pense que notre communauté, au jour d'aujourd'hui, elle a besoin d'unité, parce que souvent, on reste encore, des fois, un petit peu dispersé dans des problèmes, des fois, ethniques ou d'origine de la pensée musulmane. Donc, je pense que retrouver un peu d'unité, ça ferait du bien à tout le monde. Je pense aussi qu'au niveau des institutions, on manque de référentialité. Il faut qu'on puisse trouver aussi des institutions qui soient fortes et qui puissent être à la hauteur de représenter les musulmans dans vraiment ce qu'ils sont au jour d'aujourd'hui. C'est très important qu'on ait des institutions fortes et qui soutiennent vraiment le culte musulman. Et je pense aussi qu'il faut qu'on apprenne la collégialité dans les avis. Souvent, on a un peu des décisions qui sont unilatérales, et c'est bien d'apprendre aussi à savoir que chacun est un être à part entière, qu'il a des avis, qu'on peut aussi profiter de chacun, que ce soit dans sa pensée, que ce soit dans son travail, que ce soit dans sa culture, que ce soit donc. Je pense que la collégialité permettra de faire, éclater cette lumière que ont les musulmans en eux. Les musulmans de Marseille, je voudrais m'adresser déjà aux jeunes, leur dire que c'est très important de bien travailler à l'école, parce que je pense que la science, c'est elle qui nous fera sortir de l'assistana pour devenir des éléments positifs de la société. Et je crois fortement que le musulman, plus qu'un autre citoyen, est en mesure d'apporter des valeurs et d'apporter de l'humanité à cette société. Je pense que la maison de la connaissance, à travers l'enseignement qu'elle dispense, il faut qu'elle puisse donner ou ancrer dans les cœurs cette fierté d'être musulman. Avant que ce soit juste une science qu'on dispense, je pense que la personne, il faut qu'elle puisse se dire que finalement, être musulman, c'est un honneur, c'est une chose qui est forte, et c'est ce message-là qu'il faut faire passer aux enfants, qu'ils soient fiers d'être des musulmans et fiers de pouvoir apporter à autrui quelque chose, et qu'on cesse avec cette forme de dichotomie qu'on a rencontrée souvent dans les deuxièmes générations.